Le vol de la dernière chance. Allez, on y va.
Allez. Hola, Centre des Caraïbes. Citation novembre 3, 9, 8. Charlie Juliette. Je demande l'accès libre vers San Juan, direction Opa-Loca. Merci. Les hommes d'Empire Immobilier vont être contents de ce travail. On versera l'argent sur ton compte. Super. J'ai un autre travail pour toi. Un coup en Haïti. Haïti? Je ne sais pas, Joe. Je ne pense pas que je vais accepter cette fois. Ce genre de travail a perdu tout son charme à mes yeux. Bonjour, Dan. Qu'est-ce que tu me veux, Tony? J'ai besoin de ton aide. Je ne vois pas bien comment. Écoute-moi une seconde. Tu m'as écouté après le crash, toi? Tu ne t'es jamais demandé ce que je ressentais? M'as-tu demandé? Marc était mon meilleur ami. Tu étais comme un père pour moi. Tu as témoigné contre moi, Tony. Je n'ai pas eu un seul poste de pilote légal depuis. Tout ce qui t'importait, c'était de me prouver responsable. Tu étais dans le siège gauche, Dan. Le pilote aux commandes. Ce n'est pas aussi simple, et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu veux? Perdre un fils, ça affecte un homme. Qu'est-ce que tu veux? C'est Anne. Elle a des problèmes. Son groupe de missionnaires est venu en aide à un petit village en Colombie. Elle a refusé de partir. Des narcoterroristes liés à Al-Qaïda contrôlent la région entière. C'est dangereux, Dan. C'est très dangereux. Je lui ai parlé par radio, je l'ai supplié de partir. Je ne peux pas perdre un autre enfant. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Toi, elle t'écoutera, Dan. Elle t'a aimé. C'était il y a 4 ans. On ne s'est même pas reparlé depuis. Alors essaye. Elle ne m'écoutera pas. Désolé. Je vous rendrai vos hommes quand vous vous déciderez à faire pousser mon coca.
Ce sont mes conditions. Ces personnes obéissent à une puissance supérieure à la tienne. Puissance supérieure? Moi aussi, j'obéis à des puissances supérieures. Ils m'obéiront à moi. Mais tu ne les as donc pas assez fait souffrir? C'est toi qui leur as rempli la tête d'illusions. Des illusions sur le paradis et sur l'enfer. Peut-être que ce serait mieux pour eux si toi, tu t'en allais. Si tu avais la moindre décence, tu rendrais ces hommes à leur famille et tu nous laisserais tranquilles. Décence? Tu me fais rire. Je commence à perdre patience avec toi. Ce village fera pousser ma récolte, ou sinon... Vamonos! Je ne peux pas perdre un autre enfant. Elle t'écoutera, Dan. Elle t'a aimé. Alors essaye. Je suis content que tu aies décidé d'appeler. Ça m'a surpris. Pourquoi as-tu changé d'avis? Tu sais pourquoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont mes affaires. Je viens avec toi. Ah non, tu ne viens pas. Je suis d'accord pour aller la chercher là-bas et la ramener, mais pas avec toi. Je sais où elle est. Et je sais lire un plan. Tu ne me seras d'aucune aide dans la jungle avec ton fauteuil roulant. Trouve-la, s'il te plaît. Et ramène-la. Et cet avion est à toi. Merci. Tony, j'étais prêt à le faire pour rien, mais... Merci. Est-ce que quelqu'un parle français par ici? Oui, seigneur. Qui est-ce qui peut m'aider à trouver du carburant pour mon engin, là?
J'ai le meilleur carburant de la jungle. Bien. Tu peux me remplir mon superjet? Oui. Où est-ce que vous allez, seigneur? Juste là. À Dorisco. Ce n'est pas un bon endroit à visiter. Ce n'est pas le bon moment. Général Salazar. C'est un trafiquant local. Il force les villages à faire pousser les drogues et à les récolter. C'est un mauvais moment pour y aller. Vous avez à manger ici? Oui. On a la meilleure cuisinière de tout Santa Rita. Ma femme. Venez. Excusez-moi, bon appétit. Il paraît que vous allez à Altorisco. Ouais. Excellent. Exact. C'est une bénédiction. Pourquoi? Je vais avec vous. Je ne crois pas, non. Oh, je suis désolé. Je m'excuse. Je suis Matteo Barrero, docteur Matteo Nestor Palacio Lugo Abraham Concepcion, deuxième du nom. C'est un sacré nom. Dan. Vous savez, par ici, on utilise le nom de notre père et celui de notre mère. Et aussi, dans mon cas, celui de leurs parents aussi. Fascinant. Et aussi, je suis docteur en médecine. Eh bien, je ne peux emmener personne, mais ravi de vous rencontrer, doc. Hey, vous allez avoir besoin de quelqu'un, vous savez. C'est un endroit dur à trouver. Je connais très bien Altorisco. Vous connaissez? Bien sûr. C'est mon travail. Je vais dans tous les villages. On peut y atterrir? C'est de l'herbe. Oh, il y a notre docteur là-bas. Docteur missionnaire. Une femme. Elle s'appelle Anne Williams. Annie. Oui, on a fait nos études de médecine ensemble. Ah, enfin. Voilà la cargaison qui arrive. Ils apportent des provisions médicales et de l'équipement parce qu'on ouvre un nouvel hôpital pour la région. Une bénédiction pour tout le monde. Très bien. Et vous pourriez être une bénédiction pour moi et pour Altorisco. Moi? Ravi de vous connaître, docteur. Votre avion? Plus ou moins. Pas mal. Merci. Jim Butler. D'accord, Dan Hogan. Ok, vous allez où? Altorisco. Vous connaissez? Non, non, mais j'ai volé au-dessus. C'est une petite tache noire au milieu d'une jungle verte et très dense. C'est ce qu'on m'a dit. Jim! Doc! Comment ça va? Content de te voir, vieux. Écoute, on t'a apporté des provisions. Où est l'hélico pour qu'on le charge? Il est en panne. Ben, comment tu vas livrer? Ben, j'ai demandé à Dan de m'emmener. Et j'aurais bien demandé à Jim, mais son avion est trop large pour la piste, alors... Bien, bon, tout le monde est gagnant. Emmène Doc, il sera le guide. D'accord? Oh, et Dan, quand tu reviens, on a toujours besoin d'un bon pilote pour une bonne cause. Super, mais j'en ai déjà eu. Doc, content de te voir. Soyez là à l'aube. Là-bas. Bonjour. Fais attention à ça. C'est quoi ça? Des provisions médicales pour le village d'Annie. Des provisions médicales emballées? Opération Noël pour les enfants. Ce sont des cadeaux pour les enfants. Quoi, je suis le Père Noël maintenant? Allez, chargez-moi ça et on y va, d'accord? D'accord. N'oubliez pas d'attacher la cargaison. C'est merveilleux, tu sais. Tu sais, ça fait des jours que je me demandais comment j'allais apporter ces provisions jusqu'aux villageois. J'en avais aucune idée. Et j'ai prié. Et Dieu est si fidèle. Ah, tu es un cadeau tombé du ciel, Daniel. Tu sais, Dieu t'a envoyé et tu seras récompensé pour ta gentillesse, mon vieux, quand tu verras ces enfants ouvrir ces cadeaux, ouvrir ces boîtes.
Dieu récompensera ta générosité. Matteo, tu veux savoir comment récompenser ma générosité? Absolument, tout ce que tu veux. Dan, vraiment tout, et j'en serai heureux. Ferme-la. Mais je suis joyeux. Dan, il faut montrer notre respect à Dieu. À Dieu, hein? Hey! Oh, où est ton Dieu, là, alors? Où est-il? Non, arrête, d'accord. Tu aimes ça, hein? D'accord. Oh. Hey! Ah là là, j'ai compris. Oh, vraiment? C'est bon, c'est drôle. Où est ce plan-là? C'est quoi cette fumée? C'est Salazar. C'est un truand. Il a même sa propre armée. Il terrorise tout le monde. Il contrôle l'ensemble des villages de la région. C'est si dur d'aimer un tel ennemi. Pourquoi tu continues à revenir ici? Il doit bien y avoir des endroits moins dangereux pour faire des missions, non? Daniel, ma sécurité n'a pas d'importance. Il n'y a pas de meilleur endroit où se trouver qu'au milieu de la volonté de Dieu. À moins que ce ne soit en sa présence. Oh, regarde devant. Ça y est, on y est. Oh, tu appelles ça une piste d'atterrissage? A amené ici, sain et sauf. Pas si vite, on n'est pas encore au sol. Voyons si je peux atterrir ce bébé. On est en position. 85 nœuds. 80. 75. On atterrit. C'est bon. Gente! C'est Matteo! Regardez-moi ça! Bonjour! Regardez ce que je vous ai apporté! Matteo! Annie! Dieu merci! Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Tu vas bien? Ça va. C'est quoi, ça? Salazar. Il a brûlé l'église et la clinique et il a enlevé les hommes pour les faire travailler pour lui. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? C'est qu'il a détruit la radio. Ne t'inquiète donc pas. Dan? Tu es la dernière personne sur Terre que je m'attendais à voir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour toi. Papa t'a envoyé, c'est ça? Il m'a demandé de te trouver pour te ramener. J'ai dit à papa que je ne partirai pas. Et t'envoyer ici ne va rien y changer. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est de la folie. Regarde autour de toi. Dan, je suis docteur. Ces gens
ont besoin d'aide. Et je leur suis dévoué, dangereux ou pas. Je suis sûr que tu l'es. Mais ils ont évacué tous les autres missionnaires pour une bonne raison. Parce que c'est dangereux. Oui, ça l'est. Et avec cet avion ici, Salazar a une bonne raison de revenir. D'accord. Alors, on décharge et on s'envole maintenant. Oui, sans moi. Annie, tu es au milieu d'une guerre. T'as pas encore compris? Et moi, là, moi, je suis ton dernier vol. Dan, je ne laisserai pas ces gens ici. Annie, on n'a pas le temps. On rentre à la maison. On ne va pas suicider sans que... Par ici. Désolée, ils sont très protecteurs envers moi. D'accord. Allez, on va voir. Allez, suis mon doigt du regard. D'accord. Arrête, ça me fait tomber la tête. Comment va le patient, docteur? Ah, je crois qu'il va s'en sortir. Bien. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le chef te pardonne. Il me pardonne quoi? De l'avoir obligé à te frapper avec un bâton. C'est gentil de sa part. Maintenant que j'ai expliqué au chef qui tu étais, il voudrait te demander pardon. Non, ça va pas. Va dehors et laisse-le s'excuser. Pourquoi est-ce que le chef ne vient pas ici? C'est arrivé en public, alors il doit s'excuser publiquement. C'est la tradition. Non, je ne veux pas le faire, d'accord? C'est hors de question. Chef, le voilà. Salut, chef. Nosotros hemos perdido demasiados hombres por causa de la violencia. Reconozco que al principio te había visto como una persona violenta, pero estaba equivocado. Ahora te veo como un amigo y te suplico que me perdones. On a perdu beaucoup à cause d'un violent. J'ai cru que vous en étiez un et je vous ai mal jugé. Je vous considère maintenant comme un ami. Pardonnez-moi de vous avoir considéré d'un aussi mauvais œil. Oh, j'accepte vos excuses, chef. C'est aussi de ta faute. Tu m'as maltraité et tu dois t'excuser aussi. C'est la tradition. Il m'a frappé sur la tête avec un bâton. Dis-lui non. Elle le pide que también lo perdone porque oui. Él es muy brusco y salvaje. Qu'est-ce que tu lui as dit? Le chef te pardonne. Il me pardonne? Je ne me suis pas excusé. Bien sûr que si. Et le chef a un cadeau pour toi. Un cadeau? Non, je n'ai pas besoin. Non. Dan, tu dois accepter ce cadeau, c'est... C'est la tradition. Oui, je sais. Je commence à comprendre, là, chef. Merci. Qu'est-ce que c'est, ça? Du poulet? Ah, presque. Presque. Du serpent. Oh, du serpent. That's it, a rich like me. I want what those, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Was late.
C'est super. Bravo, bien joué, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a, ce petit garçon? C'est Raimundo. Il ne parle pas. Son père a été tué quand Salazar a envoyé des bombes sur la clinique. Quelques jours plus tard, sa mère a marché sur un champ de mine. J'ai essayé de la sauver, mais... Un champ de mine? Salazar a miné le champ. Excuse-moi. Hé, hey, Matteo. Tu as une sucette? Mais bien sûr. Tu sais, cette chanson a été écrite par un trafiquant d'esclaves, John Newton. Un homme méchant. La vie a été transformée par Dieu. Et Dieu a réussi à atteindre son cœur. Une très belle musique. Merci. Fais attention, c'est l'endroit qu'ils ont miné. Miné? Pourquoi ont-ils miné une église? Pour qu'on n'y aille pas. Ils ne comprennent pas que Dieu est dans nos cœurs, pas dans un bâtiment. Pourquoi es-tu dans cet endroit où Dieu ne sait où? Ce n'est pas Dieu sait où. Je suis désolée que papa t'ait impliqué là-dedans. Pourquoi es-tu partie? Dieu m'a appelée. Tu t'es enfui, tout simplement. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Non, ça ne l'est pas. Après l'accident, nos vies ont pris des chemins différents. Tout a changé, tu as raison. Oui, ça a tout changé. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et c'est ça la réponse? J'ai trouvé la réponse dans l'amour de Dieu et dans son pardon. Comment peux-tu croire en quelque chose que tu ne vois pas? La foi, c'est avoir confiance en l'invisible. Et tu y crois, ça? Oui, je le crois. Dan, toi, tu crois que l'air qui se précipite au-dessus de ton avion va le faire décoller et voler. Tu crois en quelque chose que tu ne vois pas? Peut-être, oui. Garcia, appelle base. Garcia, appelle base, terminé. J'ai trouvé un avion. À qui c'est? Ah, mais regardez-moi ça, hein, les enfants! Des cadeaux d'enfants du monde entier! Il y en a un pour toi. Voyons, toi, ça c'est pour toi. Voilà, qui n'a pas son cadeau? Voyons, alors attends, celui-là. Voilà, ça c'est pour toi. Et tout le monde a des cadeaux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des cadeaux, il y en a encore partout pour tout le monde. Tiens, ça c'est pour toi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une pluie de cadeaux pour vous. Avec encore des boîtes. Attention! Qu'est-ce que j'ai là? Alors, le Père Noël est venu pour vous tous. On va se brosser les dents tous ensemble. Alors, ce qui est important pour avoir une bonne hygiène dentaire, les enfants, c'est de se brosser les dents en allant du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Mais enfin, Pedro, ce n'est pas un peigne. Enfin... Ah ah! Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Montre-leur. Montre-leur comment tu le fais. Montre-leur. Allez, vas-y. D'accord. De la bonne manière. Tu sais, tu fais rire les enfants. C'est merveilleux, super. Ah, ben et lui alors? Va le voir. Thank you.
sait ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un sans qui tu ne peux pas vivre. Voilà, c'est bien. Oh, beaucoup de cadeaux. On se brosse les dents tous ensemble, c'est pas vrai les enfants? Très bien. Ah, voyons quoi. Ah, je les aime. Bonjour, je suis enfant unique. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir un frère avec toi. J'espère que tu aimes ces cadeaux. Jésus t'aime et moi aussi. Je vais vérifier l'avion. Tu veux venir? D'accord. Annie, il faut que tu comprennes que si tu restes ici, tu pourrais mourir. Toi et les autres. Je sais, et c'est de plus en plus dangereux. J'ai pensé aller dans un autre village, mais le plus proche est environ 50 kilomètres à travers les montagnes. Et faire passer tout le monde sur le territoire de Célazar. Eh bien, laisse-moi vous emmener. Maintenant, on peut emmener tous les enfants. Quelques femmes. Quelques femmes? Mais celles qui restent derrière? On ne peut pas les emmener toutes. On enverra un hélicoptère pour celles qui restent. Ça pourrait marcher, Dan, mais je ne pars que quand tout le monde est sain et sauf. Tu ne changeras donc jamais. Mathéo, tu m'as fait une de ces peurs. Ils sont de retour. Les soldats sont dans le village. Je pense qu'il ne faut que je jette un œil. S'ils ont vu l'avion, ils sont en train de me chercher. Il faut qu'on retourne au village. Je vous retrouve au village. Mais où vas-tu? Vérifier l'avion. D'accord, mais sois prudent. D'accord, là. Allez. Bien. Oui. Tout le monde va bien. Ça va, ça va. Tu as raison, Dan. Il faut partir de ce village. Je vais parler au chef Juan. Chef. Pourquoi ça dure si longtemps? Dan, relax. Le chef prendra la bonne décision. Je prie Dieu de lui donner la sagesse. Où est mon général? Nous sommes près de l'avion. Tout est bien en main. Reste là-bas. J'arrive.
Alors ? Le chef a décidé qu'on allait partir. Ah, bravo, chef. Tout le monde, tout le village. Enfin, c'est ridicule. On ne peut pas mettre tout le monde dans l'avion. On peut si on retire les sièges. On sera en surcharge. On ne décollera jamais du sol. Je ne laisserai personne ici. Je ne peux pas te laisser ici. Alors c'est décidé. On ira tous ensemble. Il faut avoir la foi, Dan. Il faudra plus que de la foi. Il y a 2 soldats qui gardent l'avion maintenant. Je suis venu en paix, mais je ne te veux aucun mal, c'est juré, hein. Reste où tu es, ne bougez pas. J'ai dit que je ne voulais aucun mal. J'ai rien dit à propos de toi. Non, rien. Il y a combien de villageois, là ? 25. Mais sans nous compter tous les deux. J'aurais besoin de connaître leur poids. Je vais me renseigner pour toi, si tu veux. T'as bien fait, mon vieux. Tout le monde va entrer. Oh, l'avion ! Ami ! Bien, ils sont prêts ? Oui, à peu près. Je n'arrive pas à croire qu'on amène tout le monde. On va être en surcharge. Il faut qu'on sorte d'ici immédiatement. Tu es la réponse à mes prières, Dan. Comment ça ? Toi, jamais pensé que je dirais ça, hein? Je suis tué! Ne bouge pas! Raimundo, stop! Reste là! Je viens le chercher! Sois prudent. Doucement. Tiens bon. Doucement, c'est bon. J'y suis presque. D'accord. On y est. Viens là. Allez, ça va. Tiens-toi bien. Cuidado, señor, por favor. Dieu est comme un berger aimant qui s'occupe de 100 brebis. Et quand une s'égare et se retrouve dans le pétrin, qu'est-ce que tu crois qu'il fait ? Je sais rien. Hein ? Dan, qu'est-ce que tu ferais si tu étais le berger et qu'une de tes brebis s'égarait ? Je sais pas, Mathéo, je ferais une croix dessus. Ah, mais heureusement, Dieu ne fait jamais de croix sur nous. Ouais. Jésus chercherait jusqu'à ce qu'il trouve la brebis égarée et il la ramènerait au troupeau. Tu es une grande bénédiction, mon vieux. Comme un bon berger, tu as sauvé une brebis égarée. Ah!
qu'est-ce que tu fais? Je vide le carburant. Oui, ça, je vois bien. Pour alléger l'avion. J'espère que tu vas pas en vider trop. Moi aussi. En fait, tu as peur qu'on ne s'en sorte pas. On a 350 kilos de trop. Et alors? C'est un gros avion. Est-ce que c'est trop? La dernière fois que j'ai piloté un avion en surcharge, on s'est écrasé, mon ami est mort. Le frère d'Annie. Je suis désolé. Je le suis aussi. Il est clair, mon vieux, que le Seigneur t'a envoyé par ici pour quelque chose. Elle va s'en sortir. Tu vas t'en sortir. Ça va aller. Oh non. Regardez ce que j'ai trouvé. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal, hein? C'est quoi ça? Je sais pas. Qui a fait ça à mon avion? Je ne sais pas, moi j'étais de garde. Et les gardes? Ils devraient être là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors trouvez-moi! Allez, tiens le coup. On va y arriver. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir Salazar, lui, nous rendre notre avion? C'est moi qui suis le cynique dans l'histoire. Je suis juste... Attends, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Surtout, ne faites pas de bruit. Je tenais à vous remercier pour l'avion. C'est un très beau cadeau. Mais ça ne sert à rien sans pilote. Vous voyez, je ne peux pas le piloter moi-même. Je suis ici pour vous offrir mon aide, en toute sécurité. Et vous devez sortir avec le pilote. Vous ne pouvez pas vous cacher dans la jungle pour toujours. C'est votre dernier avertissement. On vous trouvera. Sortez maintenant. Faites le don pour les villageois. Réfléchissez bien.
Bon voyage, que Dieu vous bénisse tous. Tout le monde est là? Sauf Matteo, je ne sais pas où est Matteo. On ne peut pas attendre, il faut qu'on y aille. Ferme la porte. Même les vents lui obéissent. Tenez bon!
C'est un vrai miracle. Probablement juste de la physique. Matteo, qu'est-ce qu'on fait pour Matteo? Je l'ai vu sauter du camion. Après ça... Tu es blessé? Oui, mais ça va aller, ça va aller. Vas-y, doucement. Ça ira beaucoup mieux quand on atterrira. On devrait arriver à Santa Rita bientôt. Hé, hey, on est serrés comme des sardines. Qu'est-ce que tu as avec toi? On a le village entier. Le village entier? Mais comment t'as décollé? Eh bien, on a des opinions différentes sur ça et... on va avoir besoin d'une ambulance. Pas de problème, terminé. Oui. Tout le monde sauf Matteo. Hey, comment ça va? Hey. Je vais bien. Merci beaucoup, Dan. Tu ferais bien te reposer. Un homme. Pourquoi ces idiots ne peuvent-ils pas me trouver un homme?
Tu vas bien? Ouais. Non, pas vraiment, non. Écoute, tu as fait du bon travail. Il faut que j'y aille. Où? Il manque encore une brebis. Anne dit qu'il est certainement mort. Ouais, certainement. Alors pourquoi tu veux y retourner? Et s'il était vivant? Tu as un plan? Ouais, voler vers Alto Risco, trouver Matteo et revenir. Ça suffira. Compte sur moi. Bien. Yeah. Quand est-ce qu'ils l'ont réparé? Qui a dit que c'était réparé? Oh, super. D'accord. Explique-moi comment on va le trouver. On vole à ras de terre et on le repère. Mm-hmm. Anticipons alors. Si on le trouve, comment on va le sortir de là? Je ne suis pas encore sûr. Je parie que tu es le genre de mec qui faisait ses devoirs la veille de l'examen, hein? Non. Sur le chemin de l'école. C'est quoi, ça? Ça, ce sont mes devoirs. Arrive plus de l'ouest, parce qu'ils ne s'attendent pas à nous voir dans cette direction. Compris. Bien bas et vite, Jim. Quand tu y es presque, je saute. Sors du champ et je t'appelle quand j'aurai besoin de toi. Bas et vite, ce sera. D'accord. À la piste. On y va. Tu vas bien, Néo? Je me suis camouflé. C'est bien. Enfin, ils n'ont pas pu me trouver. Jim, on a besoin de toi maintenant. Bien reçu. J'arrive. Par là.
entre mes devoirs. Jamais fidèle, tu sais. Oui, il m'a délivré de mes ennemis. C'est vrai. Tu sais... Garde tes forces. Je pense qu'il est temps de rentrer maintenant. Oui. C'est pour ça que je suis revenu. Non, ma maison... est avec le Seigneur. Je pense que c'est sa volonté que je le rejoigne maintenant. Il n'y a pas de meilleur endroit où être qu'au milieu de la volonté de Dieu. À moins que ce ne soit en sa présence. Vous savez. Ça fait longtemps qu'il a préparé son vol vers le paradis. C'est là qu'il est maintenant. Je ne sais pas. Comment peut-il être aussi sûr? Pour les chrétiens, la Bible est les principes de Dieu. Et elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est cette promesse qui a donné la paix à Matthéo. Je veux avoir cette paix, tu sais. Cette confiance. Tu sais, Dan, je suis fils de pasteur. Et je pensais avoir droit au paradis sans rien donner en échange. Mais tout ce temps, j'allais dans la mauvaise direction. Le plus dur pour moi fut de réaliser que j'étais perdu. Et alors, l'idée de passer l'éternité en enfer, enfin, j'étais terrifié. Tu vois, Jésus est venu pour nous donner la vie et encore plus. Il est venu, il a saigné, il est mort sur la croix et a ressuscité. Il a versé son sang pour mes péchés, pour tous les péchés. Et quand j'ai compris ça, j'ai été touché par ce genre d'amour. Alors j'ai demandé au Seigneur de me pardonner et de m'accepter avec sa grâce. Maintenant, je suis sauvé. Je ne sais toujours pas comment. C'est pas grave. Prie donc. Prier? Moi? Je ne sais pas par où commencer. La prière, c'est juste parler à Dieu. Les mots ne sont pas aussi importants que ce que tu as dans le cœur. Thank you.
Cher Dieu. Ça fait longtemps que je suis perdu. Très longtemps. Comme l'une de ces brebis. Pardonne-moi ma vie. Seigneur. Tout ce que j'ai fait. Mes péchés. Accepte-moi, ô Seigneur, car je te donne ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi marcher dans ses pas. Amen. Tu as réussi. Et Matteo? Pas lui. Je ne sais pas comment Annie va réagir. Dan, je ne savais pas que ça se finirait ainsi. Mais personne ne le savait. Je suis reconnaissant que tu ailles bien. Et que tu aies ramené ma fille. Je suis content que tu sois là. Pour elle. On va changer le bandage et retirer l'intraveineuse. Et tu pourras sortir demain. Super. En attendant, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Ah. Papa, tu es ici. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Ah. Oh. Eh bien. Oh. Oh. J'aurais dû venir beaucoup plus tôt. J'aurais dû partir quand tu me l'as demandé. Je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. S'il est arrivé quelque chose à Dan ou à Matteo, c'est de ma faute. Non. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Et tu dois arrêter de t'en vouloir. C'est ce que j'ai fait depuis l'accident et... ça nous a presque tous détruits. Si t'avais pas envoyé Dan, je ne sais pas ce qui serait passé. Dan t'aime. Je savais qu'il prendrait soin de toi. Il nous a tous ramenés, le village entier. Il s'est passé tant de choses. Mon cher ami Matteo, il est resté derrière. Il a risqué sa vie pour nous sauver. Dan est parti le chercher. Je sais. Dan est de retour. Et je crois qu'il veut te voir. Annie. Dan et Matteo, tu l'as trouvé? On l'a trouvé. Il a été tué en s'échappant. Je suis tellement désolé. Oh. Il est mort dans mes bras, Anne. Quoi? Il a dit qu'il était temps de rentrer. Ce qui s'est passé ici ces derniers jours illustre bien qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui d'un homme qui risque sa vie pour un ami. La Bible nous dit que chaque homme a rendez-vous avec la mort à un moment donné et puis après, le jugement. Eh bien, Matteo a respecté son rendez-vous avec la mort et avec l'éternité. Maintenant, il profite de sa récompense avec Dieu au paradis. Donc, nous sommes ici pour consacrer cet hôpital et nous le faisons en l'honneur de notre cher ami Matteo. Et à la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Je vous cherchais tous les deux. J'ai de bonnes nouvelles. Je viens juste de parler à mon vieux copain, le sénateur Furman à Washington. Vous allez bientôt récupérer votre village. Le gouvernement colombien va envoyer des troupes pour secourir des hommes et se débarrasser de Salazar pour de bon. Oh, c'est super, papa. Et il y a plus. Je vais reconstruire votre clinique. Vraiment? Et je vais rester ici,
et m'assurer que c'est bien fait. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. J'aurais dû faire beaucoup de choses. Mais je vais essayer de rattraper tout ça. Pour vous deux. Merci. Tony, merci. Merci. Il faut que j'aille voir Dr. Bob maintenant. Je vous vois plus tard. D'accord. Wow. Je ne pensais pas vous revoir comme ça, toi et papa. Je pense qu'on peut appeler ça un miracle. Oui. Je peux te parler de quelque chose? Quoi? De quelque chose qui s'est passé dans l'hélicoptère en revenant. Je ne sais pas comment te le dire, mais tu te souviens de cette histoire que Matteo m'a racontée sur le berger et la brebis perdue? Oui, la parabole. Eh bien, cette brebis, c'était moi. Mais je ne suis plus du tout perdu. Oh, Dan! Il m'a trouvé. Je le savais! Je savais que tu avais changé. Eh bien, si l'offre de Jim tient encore, et bien sûr, si tu es d'accord, j'aimerais rester pour vous aider. Je suis si heureuse! Ça fait 5 ans que je prie pour ça. Pour moi? Pendant 5 ans? Pour nous. Dan, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Viens là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. You reached out for me, I pushed you away. I was not willing to change. You tried to save me from myself, but I didn't care. And even when you were long gone, I was still in your prayers. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? A righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Are you the pillow where I lay my dreams? Or are you just something I'm imagining? Your heart reflects a light from a much brighter place, and your love always leaves me in a higher state of grace. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? A righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Of all the things I'm thankful for, you're the highest on my list. But there's one thing I'd like to know, so please just tell me this. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand? A righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer?
been.